Aujourd'hui, la CSR au niveau départemental a fait un excellent travail de réflexion pour un petit peu sortir ce qu'ils appellent les livrables, les cadres l'appellent livrables, pour un petit peu atteindre les objectifs en termes d'instruction pour le département de Saint-Louis. Au diagnostic, nous nous sommes rendus compte que Saint-Louis a un faible niveau donc de taux d'inscription sur les listes. Et il fallait trouver donc, les voies et moyens nécessaires pour amener les populations à aller s'inscrire en masse. Le diagnostic a été fait et rapidement, nous allons mettre en œuvre ces recommandations puisque, comme je le dis souvent, les cadres réfléchissent, font de la production. Mais ce qui est important donc, de ces recommandations, c'est leur mise en œuvre. Et nous allons trouver les voies et moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces recommandations en vue de relever davantage donc, le niveau du taux d'inscription au niveau du département de Saint-Louis et l'ensemble des communes qui le composent. En train de dérouler en œuvre. Aujourd'hui, le premier thème de ce vaste programme porte sur les inscriptions, sur les listes électorales. C'est un thème qui vient à son œuvre. Dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à moins de 7 mois des élections législatives, donc à moins de 4 mois de la clôture d'inscription sur les listes électorales. Donc nous attendons, comme je l'ai dit tout à l'heure au président, les fruits de leur réflexion, leurs conclusions, pour d'abord le mettre en œuvre au niveau du département, mais le partager aussi avec tous nos camarades du parti sur le plan national. On peut avoir les assurances que les conclusions seront respectées. Oui. Monsieur le ministre maire m'a demandé, lorsque je l'ai représenté, de prendre l'engagement qu'il ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les fruits de ces journées de réflexion. Et vous pouvez nous croire, monsieur le président, que vos conclusions seront mises en œuvre pour une inscription massive sur les listes. Hier, lorsque j'organisais une manifestation politique, le ministre maire est passé. Et il a fait une révélation qui va nous pousser nous tous à recrucher les manches. À savoir qu'aujourd'hui, si on fait le rapport entre le nombre d'inscrits et la population, notre département, le département de Saint-Louis, n'a pas un bon taux. Il fait partie, il a un taux qui est en deçà de la moyenne. Donc nous allons travailler pour être quand même dans les 10 départements où le taux sera le plus élevé. Donc nous attendons impatiemment les conclusions de cette journée.